Ce dimanche 4 juin 2023, Adeline Blondiot a voulu marquer le coup pour la fête des mères. C'est sur les réseaux sociaux que l'ancienne comédienne a partagé une rare photo de sa maman aux côtés de son frère et de sa sœur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'aînée de la fratrie est la stricte copie conforme de sa mère. Bonne fête des mères. Ce dimanche 4 juin met à l'honneur les mamans qui exercent toutes le plus beau métier du monde. Un rôle parfois ingrat mais qui n'en reste pas moins sacré. En ce jour symbolique, de nombreuses célébrités ont tenu à adresser un message à cette personne qui compte tant. Après Laura Smet qui a divulgué un portrait de famille collector pour rendre hommage à Nathalie Baye, ou encore le présentateur Arthur, c'est au tour d'Adeline Blondiot de dévoiler un rare cliché de sa mère pour lui témoigner tout son amour. Le strass et les paillettes, très peu pour elle. Depuis que l'ex de Johnny Hallyday a déserté nos écrans, cette dernière a littéralement changé de vie et fait du tri dans sa routine beauté. Aujourd'hui, celle qui a tout plaqué pour devenir sophrologue prône le naturel. Plus question pour l'ancienne star de Sous le soleil d'user de la chirurgie esthétique pour combler ses quelques rides naissantes et encore moins de camoufler sa mèche de cheveux blancs qui balaye son visage. Une particularité capillaire qu'elle a héritée de sa mère et qu'elle assume parfaitement, et ce malgré les conseils de sa génitrice qui l'encourageait à teindre ses cheveux. « Quand j'ai décidé de laisser pousser ma mèche blanche, elle a été la première à me dire de la reteindre. » Je rappelle que ce sont les boîtes de production qui me demandaient de la teindre pour faire plus jeune, avait-elle écrit sur les réseaux sociaux. Et d'ajouter, aujourd'hui, je lis nos mèches comme un lien mère-fille fort et connecté. Nous sommes deux mèches. Tout un symbole. Telle mère, telle fille. Si Adeline Blondiot et sa mère ont adopté le même look capillaire, ce n'est pas la seule similitude qui lie ce tandem. À l'occasion de la fête des mères, l'interprète de Caroline Drancourt dans Sous le soleil a tenu à lui adresser un tendre message ainsi qu'à toutes les mamans et bienveillantes qu'elles soient dans nos cœurs ou à nos côtés. C'est sur Instagram que la maman d'Aitor a partagé une photo de famille lors du mariage de son frère, un avocat spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle. L'occasion de voir la fratrie au complet aux côtés de leur maman. Et force est de constater que l'aînée du trio est la copie conforme de sa mère. Une ressemblance aussi frappante que troublante, soulignée par Sylvie Tellier. « Quelle ressemblance avec maman », a-t-elle écrit en commentaire. Et ce n'est pas la seule qui a relevé ce détail. De nombreux internautes ont réagi, allant même jusqu'à employer le terme de clone. « Incroyable cette ressemblance que vous avez, mais vous êtes des clones. Vous ressemblez à votre maman, impressionnant comme vous ressemblez à votre maman. » Preuve que la beauté se transmet bien en héritage chez les Blondiot.